J'évite en général de parler de l'animal en général. Pour moi, il n'y a pas l'animal. Quand on dit l'animal, on a déjà commencé à ne plus rien comprendre. On a déjà commencé à justement enfermer l'animal dans un bocal. Il y a des animaux et avec des différences considérables entre différents types d'animaux. Il n'y a pas de raison qu'on mette sous la même catégorie de l'animal le singe, l'abeille, le serpent, le chien, le cheval, des anthropoïdes ou des microbes. Ce sont des types d'organisation de la vie radicalement différents. Et déjà, le geste qui consiste à dire l'animal et de ranger dans cette catégorie aussi bien le chimpanzé que la fourmi est un geste de répression violente, d'enfermement violent de la part de l'homme. Tous ces vivants ne sont pas des hommes, donc on les met dans la même catégorie. C'est un geste stupide d'abord, théoriquement ridicule. Et puis c'est un geste qui fait partie de la violence humaine en général à l'égard des animaux, qui conduit aux abattoirs, aux traitements industriels.